Bonjour les amis, petite idée cadeau à faire avec du ruban, ruban rouge, un pot vide de confiture bonne maman ou autre confiture, hein, je n'ai pas, c'est pas sponsorisé, des petites étiquettes. Et j'ai choisi au départ celle-ci, j'avais pensé celle-ci, puis j'en ai choisi une autre. Et du sel de des sels de bain. Purifie, relaxe et détend. À la lavande. Voilà. J'ai trouvé ces sels de bain chez Action, magasin Action. Je vais d'abord remplir le petit pot de confiture. Voilà, jusqu'en haut. C'est un cadeau, donc vraiment je remplis jusqu'en haut. Voilà. J'étale bien. Ensuite, je referme et maintenant je vais tout simplement mettre un petit ruban, une étiquette. J'ai choisi en fin de compte celle-ci. Je vais inscrire dessus Joyeux Noël. J'ai choisi un crayon rouge. Alors après, on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre Je t'aime. On peut mettre petit mot doux. Voilà, je prends le ruban rouge. On peut aussi mettre du raffia. Moi, je n'ai trouvé que ce ruban chez Action, mais le raffia serait encore mieux. Je vais mettre tout autour, voilà, du petit pot. Je vais nouer. Puis faire, essayer de faire des petites boucles. Voilà. J'ai décidé également de mettre au dos de la petite étiquette, de mettre que c'est des sels de bain, qu'on ne se trompe pas, qu'on ne confonde pas avec du sel autre, sel de bain, et j'ai mis lavande. J'espère que quand même il faut préciser que c'est pas du sel à mettre dans la cuisine. Voilà les amis, un petit cadeau sympa pour Noël. Pas cher, simple. J'espère que ça vous aura donné des idées. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce. À bientôt. Au revoir.